Salem la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes et de Myriam. Salem la famille, regardez, elle est en train de vous prank, elle fait genre, elle dort. Tout à l'heure, elle m'a pranké, je suis en train de rouler, j'ai Myriam, Myriam, elle est comme ça. Et après, je fais genre, Salem la famille, direct, elle s'est levée. Donc aujourd'hui, vidéo assez particulière, j'ai un gros défi à leur lancer. Vous allez devoir passer 24 heures à manger que des épinards. Non, je rigole. Non, vous allez devoir passer 24 heures sans toucher le sol. Comment ça, sans toucher le sol? Vous avez pas le droit avec vos pieds de toucher le sol. Vous allez devoir trouver. Vous allez devoir trouver des subterfuges pour vous déplacer sans toucher le sol. Mais comment on va manger? Comment on va faire notre truc? Il a cru que j'étais un kangourou. Donc là, je vais vous laisser aller au magasin. Faites vos provisions et le défi commence maintenant. Oh, attends, écoute. Pourquoi je suis Spider-Man pour manger du coup, elle est m'accrochée. Là, on va devoir trouver des objets pour ne pas toucher le sol. Ah, il manque pas quelque chose, non? Ouais, normalement, il y avait un camion avec des gaufres et tout. Ils l'ont enlevé. Là. Par contre, ce magasin, à chaque fois, on a la limite de se faire virer. Donc, vous deux, tenez-vous à carreau. Ouais, t'inquiète. Mais regardez, déjà, il commence, frère. Déjà, il commence. On dirait un skieur. Ok, on peut. Et au niveau des trottinettes, parce que j'ai une question. T'as vu quand t'es sur la trottinette? Ouais. T'es dessus, mais t'es obligé de faire ça. Ouais. Genre, est-ce qu'on est autorisé de poser? Oui, vous avez le droit de poser le pied pour avancer. Attends, j'ai un meilleur. Mais viens, on prend un skate. Ah, ouais. On va prendre un skate. Pourquoi il y a une big roue et là une petite roue? C'est un truc de mal. Je sais pas. Regarde, débutant, 35 euros, il y en a plus. Tous les rats de France, ils ont pris les petits skates. Il y en a à 100 euros. Comment il est grand. Yacine, j'avais une question. Les rollers, ça compte? Non, les rollers, vous touchez le sol. Ah oui, là, on n'a pas vu. Ah, bah 45 euros, celui-là, il est nickel. Oh, ça m'étonnerait que 45 euros, celui-là. Si, il y a marqué 45 euros. Celui-là. Moins cher, 30 euros. Mais elle est belle. Non, viens, on prend celui à 30 parce que moi, je pourrais pas monter dessus. Je suis un gros. Moi, je suis bien portant quand même. Ouais, bon, en vrai, tu y arrives, ça va. Ouais, attends. Faut que tu t'entraînes. Profitez. Bah, c'est bon, on prend celui-là. Ok, bah, c'est impeccable. Là, vous allez faire un 1v1. Celui qui gagne le 1v1, il aura un gros avantage dans le 24 heures. Ah ouais? Et profitez de vos derniers moments pour toucher le sol, là. En fait, c'est quoi l'avantage? Tu verras. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, Myriam, c'est la plus petite. Allez, go. Oh, la reprise de dribble. Oh, les reprises de dribble qu'il a fait. Je passe pas. Mais tu joues en handball ou au basket ou... C'est l'arbitre, elle a touché avec le penalty. Penalty. C'est pas juste, je suis trop petite et lui il est... Alors déjà, pour commencer, tu fais des reprises de dribble, tu fais n'importe quoi. Et en plus, t'as touché avec le pied, donc c'est penalty. Tu mets en position, si tu la mets, t'as gagné. Balle de match. Je précise que ça joue direct après. Hein. Ok. Fini. Oh, elle est nulle. Ok, victoire de Younes. Yes. T'as perdu. Et achetez vos trucs maintenant. On va commencer le 24 heures à partir de demain. Donc là, si vous voulez vous exercer, il y a des pistes. Vous pouvez vous entraîner, il n'y a pas de souci. Vas-y, je vais m'entraîner. Là, ça voudrait dire que là, t'as vu, je touche pas le sol. Voilà, c'est bon. Pour aller là-bas, faudrait que j'aille sur l'autre pied. C'est grave loin. Wesh, mais c'est trop loin. Comment tu veux que je fasse? Tente. Aïe, aïe, aïe. Là, t'aurais perdu, tu vois. Trop chaud. Bon, Myriam, toi, teste ton nouveau skate. Comment tu... Elle est grave bien. Comment tu changes de direction? Quoi? Change de direction? Ah, là, t'as perdu, tu vois. Elle a posé les deux pieds. Ouais. Ah, donc là, vous deux, vous aurez perdu le 24 heures, les gars. Grave chaud, vas-y. On s'entraîne et on se retrouve demain pour le 24 heures. Vas-y. Ouais. The next day. Le 24 heures peut commencer, donc là, j'ai préparé plein de choses dans la maison. J'ai mis plein d'étapes où ils pourront y aller, ils pourront se déplacer, etc., etc. Donc là, je vous rappelle, ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs pieds pour toucher le sol. Ça va être une dinguerie, on est parti, on va les réveiller. Ouais, ok. Ah là là, ça commence là. Ouais, le 24 heures peut commencer, mec. J'ai bien réfléchi, j'ai des bonnes techniques, les amis. Bon, c'est parti, je vais sûrement pas toucher le sol aujourd'hui. Dans mes poches, j'ai des trucs, je vais rien vous dire. Fais gaffe. Ouais, je sais, je prends juste mes claquettes sans toucher le sol. Et par contre, si on touche le sol, on a quoi? T'as un coup de gage. Ouais, tcha. Par contre, tu dois faire ton lit et tout comme d'habitude. Hein. Ouais. Attends, déjà, on va grimper sur ton lit, mec. Ok, parfait. Pour faire mon lit, je pense que ça devrait être facile. Viens par là. Ok, on va faire ça. Par contre, je pourrais pas le faire comme d'habitude. Hein. Je le fais approximativement. Voilà, c'est bon, chef. Ça passe. Ok, maintenant va falloir aller de l'autre côté. Ah, tu m'as préparé la chaise. Ouais, je vous ai mis des petits trucs dans la maison pour vous faciliter. Ça, c'est OP. Donc là, t'as une petite chaise. Ouais, mais comment je vais aller jusqu'à là-bas? Ah, les gars, ça c'est ton problème. Ok. Ok, parfait. Tu sais que ça allait être plus facile. Comment je vais aller sur l'autre chaise? Oh la dinguerie. Ok, ça je la prends comme ça. Faut surtout pas que je tombe. Hop. Pense au gage, mec. Ouais, c'est ça. Faut que je me mette debout, je pense, les gars. Faut que je fasse Yamakasi. Vous connaissez Yamakasi? Il va se tuer, les gars. Oh, ok. Parfait. Elle est solide, ta chaise? Je sais pas. Purée, j'ai chaud. Okay, hop. Ok, super. Et là, est-ce que je m'assois? Attends, faut que je réfléchisse bien. Ouais, je suis obligé de m'asseoir. On va s'asseoir. Ok, ça passe. Ça passe. On va aller voir Myriam. Myriam, t'es réveillée? J'arrive, Myriam. Aïe, réveillé, le 24 heures, il commence. Myriam,
ça commence, je suis déjà là. 24 heures, il commence, tu dois pas toucher le sol. Je vais même pas toucher le sol. Ah, oui, tu dois faire ton lit. Hein. Je vous ai mis des trucs pour comme ça soit plus facile. Tu dois faire ton lit déjà, comme d'habitude. Comme d'habitude, elle fait son lit. Ah, mais moi je peux pas aller sur ça, Yacine, t'as pas pensé au gros poids. Bah, tu peux faire un jump sur le lit. Mais le poignet, bah, moi je prends pas de risque, c'est mort. Ou alors, je peux faire. Mais j'ai pas besoin d'aller, Tu valides ou pas le lit? Ouais, franchement, non, c'est pas validé, t'es une malade, toi fais bien ton lit. Mais j'arrive pas. Et ça, c'est ça, tu valides, tu te fiches de moi. Elle rigole, j'espère. Ok, c'est bon, c'est carré. Ok, vas-y, tu peux avancer. Vas-y, avance, fais gaffe. Tiens, je te passe la chaise, je te prépare. Ne casse pas le truc, maman va te tuer. Hein. Fais gaffe. Vas-y, parce que je dois prendre mon déjeuner, j'ai faim là. Dépêche-toi, pas mal. J'y vais, c'est bon. Par contre, pour descendre les escaliers, j'ai trouvé une petite technique. Donc là, il marche sur des coussins. T'as dit que je devais pas toucher le sol. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis obligé, je dois pas toucher le sol. Mais pour les escaliers, je peux pas faire autrement, mec. Ah, je touche pas le sol. Petit déjeuner, les gars. Par contre, là, les plastiques, j'avoue, je vais les ranger. En vrai, c'est trop de la triche si je fais ça toute la vidéo. Regardez. Ok, ses pieds touchent pas le sol. Oh la dinguerie! Oh, faut que je sorte de là. Faut que je sorte de là. Oh. Pieds, ils touchent pas. Pas le sol, hein. Non, ses pieds, ils touchent pas. Yasmine, t'as mis ton skate. J'ai mis un skate ici. Et là, j'ai envie de prendre un petit déjeuner, Yasmine. Bah, à toi d'aller dans la cuisine, mec. Oh là là, ça va être une dinguerie. Myriam, t'as ton skate. Oh, elle est bloquée. Tu veux que je t'envoie la chaise? Ouais, c'est très bien. Tiens. Attends. Tiens, si tu veux que je te la tiens. T'as le droit de mettre qu'un pied par terre, il a dit quand t'es sur le skate. Un pied? Ouais. Vas-y, je te le tiens. Ah, quand je suis sur le skate, c'est bon, je suis sur le skate, là, tu peux mettre oui, un pied. Oui, tu peux mettre un pied par terre. Un pied par terre. Oh, faut que je me lave la figure. Attends, laisse-moi prendre mon bol de Kellogg, s'il te plaît. Laisse-moi prendre mon bol de Kellogg. Mais regardez, moi, je peux mettre un pied par terre. Attends, mais là, Yacine, c'est une blague. Bah, demande à Myriam qui t'aide, elle peut te déplacer les chaises avec son skate. Tu vas mettre ton skate, mets ton skate par là. Fais gaffe, c'est 50 kilos, hein. Ah ouais. Je vais mettre un pied dessus, et je vais essayer. Bouge pas. Non, c'est mort. Non, on va le casser. Attends, ou alors après, je te laisse le skate et moi, je vais sur la chaise. Non, mais c'est 50 kilos, je vais le casser. Bah, déplace-lui la chaise. Bouge, vas-y, c'est bon. Attendez, mais moi, je fais comment pour aller me laver la figure? Oh là là, mais dis pas qu'il va faire ce que je crois. Oh, dieu. Oh, le malade. J'ai faim. Oh, le malade mental. Là, juste la chaise. Ah, oh, impeccable. Oh, purée, est-ce que ça passe? Je vais me prendre des petits Kellogg's, les gars. Mais comment tu as mangé? Tu veux quoi? Moi, je vais me prendre des petits Nesquik. Oh, le bol, il est trop stylé, bol Kellogg. Non, c'est génial. Tu me le prêtes? Non. Tiens. T'en veux un? Ouais. Oh, Myriam, tu sais que si tu bouges la chaise, il est bloqué. Non, Myriam, s'il te plaît, bouge pas la chaise. Juste pour un peu qu'on donne de l'énergie. Non. Fais gaffe, hein, si tu lâches ton pied du skate, Myriam, c'est que t'es sur le sol. Hein. Carré. Tu veux te laver la figure? Vas-y, je t'accompagne. Vas-y, va, je t'accompagne. Ah, mais je t'accompagne, c'est marrant. C'est bon. Bien joué. Maintenant, je vais aller dans le fauteuil. C'est carré, on va se laver. Par contre, pour aller là-bas, ça va être la misère. Attends, moi j'ai une technique. Ouais, j'ai pas besoin de me laver, en vrai, c'est pas la peine. T'as un crasseux, toi. Oui, c'est vrai, je m'en fous. Ouais, Spider-Man, qu'est-ce que tu fais? Tu peux mettre ces croix, monte dans le panier et t'avances jusqu'à là-bas. Ah ouais, pas bête. Monte dans le panier. Ouais, oh là 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 là. Vas-y, avance jusqu'à là-bas. Voilà, comme ça. Là, tu peux te laver, lave-toi bien la figure. Ah, c'est une dinguerie. Là, je commence à fatiguer, je suis pas trop souple, moi. C'est que le début de la journée, mec. Ah, je suis vraiment pas souple. Première étape, ils ont bien réussi. Maintenant, on va corser les choses. Vu que c'est des sportifs, je vais leur laisser 30 secondes pour préparer le jardin. Ils auront le droit de toucher le sol, ils vont devoir le préparer pour pouvoir se déplacer et tout. Et après 30 secondes, ils auront plus le droit de toucher le sol. S'il y en a un qui touche le sol dans cette étape-là, ils doivent faire la boule à Z. Pardon, mais c'est une blague. Ok, vous avez 30 secondes pour toucher le sol dans 3, 2, 1, c'est parti, okay, aménager le jardin. Attends, mais arrête, tu vas où? Voilà, mets des trucs partout, pour qu'on puisse aller dans la salle de sport. Okay. C'est bon, on préfère garder le prochain temps pour la salle de sport. Ok, c'est bon, bah du coup, go vous remettre sur un truc alors. Du coup, là maintenant, le défi est reparti. Donc là, vous pouvez voguer à vos occupations dans le jardin, okay, si vous voulez. Go! Je dégage. Attends, ok, je vais dégager. Est-ce que c'est ça? Mais c'est bon, calme-toi, wesh, je vais juste passer par là. Ok, il faut que j'entre dans la salle, moi, personnellement. Ça, c'est solide, Yacine. Non, c'est dangereux, faut faire attention. Plus, pourquoi j'ai mangé autant de tacos dans ma vie? Faut que tu m'attrapes. Comment ça, je t'attrape? Moi, je vais faire du sport, qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que ça, c'est solide? Oh, non, ah, gars, tu te débrouilles, mais si tu touches... Là, dis-toi que tu vas te faire une boule à zette si tu touches le sol. Hein. Non, je peux pas toucher le sol. Fais gaffe, tu vas te faire la boule à zette si tu touches le sol. Faut que je mette mes baskets. Aide Myriam. Myriam, attends, je vais t'aider, vas-y, t'inquiète, je te tiens. Mais toi, tu veux faire du sport? Oui.
Ok, j'aime bien, vas-y, je mets mes baskets en. Mais dégage de là, je vais monter. Ah, tu veux monter. Mais attends, reste là pour l'instant, assieds-toi. Calme. La famille, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez. J'allais tomber. Vous inquiétez pas, on va même essayer d'aller manger dehors et tout, ça va être grave marrant. Mais là, faut que je fasse mon sport. S'il n'y a pas de sport, il y a une dealer. La journée, elle peut pas commencer. Ouais, c'est vrai. Le sport, là. Là, touche pas, j'ai le droit. C'est important. Il va falloir que je trouve un subterfuge. Ok, je vais aller dans la machine de jambes. Mais bon, je peux y aller. Ah, c'est parfait. Ah, tu veux bien. Oh là, c'est une dingue. Attends, en vrai, je peux passer par là. Je fais ça. Ça. Oh, purée. Ça. Surveille. Oh là, ça va être complexe. Oh non, en vrai, ça va. Hop. Regarde-moi. Myriam, moi, je vais faire du vélo, perso. Reste. Oh, il allait se tuer. Ok, là, il a rattrapé ici. Impeccable. Regardez, moi, je suis posé. Ok, le vélo, incroyable. Bien, vas-y. Non, le vélo, est-ce que c'est validé? Et c'est validé. C'est bon. Ok, du coup, il va faire son vélo. Oh, on va faire des dips. Eh, c'est tout ton boule à zéro. Ah, boule à zéro, fais gaffe, hein. Incroyable. Ok. Boule à Z. Ok. Petit singe. Okay. Quel est la rêve de petit singe dans les commentaires? A few moments later. J'ai ultra faim. J'ai une idée de malade, Myriam. On est bien d'accord qu'on ne peut pas toucher le sol. Non. Quand on est dans la voiture, on ne touche pas le sol. Ah, il a trouvé depuis tout à l'heure, je ne voulais pas le dire, mais il a trouvé le glitch. T'es chaud, Myriam, on fait un drive, on sort pas de la voiture, on demande à la dame et on prend un menu chacun. Moi je veux pas de menu en vrai, j'ai déjà pris un déjeuner ce matin. Ça sera validé là. On fait ça? Vas-y. Au drive. Mais en vrai, je crois que je vais rester tout le temps dans la voiture. On peut aller là où on veut et on touche pas le sol. Myriam, tu veux que je te prenne quoi comme menu? Moi je vais prendre un double filet aux fiches avec frites, avec un dessert. En vrai, je te laisse carte libre. Ok, bah pas de dessert du coup. Ouais, non. Bonjour madame, je vais prendre un chicken beignet. Un chicken, je suis un malade. Restaurant McDonald's, bonjour, je vous écoute. Bonjour, on va prendre un menu double filet aux fiches avec de l'eau s'il vous plaît et des nuggets et des potatoes. Double avec ceci. Ce sera tout. Ça fera 19,10€ s'il vous plaît. Ok. 19€ là, tu... Ouais. Wesh. Comment c'est devenu cher? Un filet, 19€. Elle a 19€. 9€ ou 19€? Moi j'ai compris 19. Moi j'ai entendu 9. Ah, on va voir ça tout de suite parce que là c'est une dinguerie si c'est 19€, frère. Ah non, ça va, ça fait 9€. Voilà. 9€, c'est quand même cher, Younes. Hein. Ouais, c'est vrai qu'un double filet et une frite, normalement ça devrait coûter 6€ max. Ouais, 6-7€ maximum. Myriam, elle va se mettre très 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 bien pour le défi là. En plus, ça va coller pour une fois. Voir comment il est fait pour 9€, faut qu'il soit. Il est parfait en vrai. Toi qui as travaillé au McDo, tu mets combien sur 10? 9. 9 sur 10? Pas mal. Est-ce que toi, Yacine, t'avais l'habitude de faire des sandwichs mal faits? En fait, on va vite. Du coup, ils sont pas mal faits, ils sont bien faits, mais ils sont travers quoi. Ouais, ça devait faire. Mais là, est-ce que je peux manger un peu? T'as qu'à venir. Comment ça, j'ai qu'à venir? Ah, tu veux pas lui donner en main propre? Bah, il vient. Mais t'as juste à me donner. Mais comment il va venir? Bah, viens. Mais comment tu vas passer? Je sais pas comment je vais faire, mais. Inch'Allah, il arrive pas à passer. Je débrouille après la porte. Mais comment tu veux que je passe? Pour la porte, déjà. Vraiment que t'as à la rejoindre. Yacine, comment je fais? Bah, je sais pas, faut faire Yamakasi. Mais là, tu sais très bien, je peux pas avec la porte. Bah, c'est pas la peine alors, rassis-toi. Hein. Tu veux pas lui donner de l'intérieur, Myriam? Bah, non, il a qu'à venir, c'est le défi. Là, tu passes pas Younes. J'ai juste à faire ça en fait. Entre les deux parois, tu passes pas Younes. Sécurisation. Aïe, c'est bon, je vais pas faire. Comme Younes, il a gagné son avantage, du coup, je vais lui apporter ça tout de suite. On lui a ramené un méga cadeau juste ici, il va pouvoir le déballer. Donc, on est parti. Ouais, c'est comment? Tu as ton avantage, mec. Oh, oh. Par contre, fais pas trop de bruit, parce que si Myriam, elle vient, on va péter un câble. Ouais. Ok, du coup, félicitations. C'est quoi? Un petit survêt, man. Oh, c'est un Hugo Boss? Ouais, boss. Oh, il est trop bien. Vu que t'es le boss au basket. Ah, vu que je suis le boss, ils m'ont offert un survêt Hugo Boss, regardez-moi ça. Félicitations à toi, mec. Ah, il est trop stylé. Un bon pyjama. Comment ça, c'est un pyjama? Tu respectes rien, toi. Dommage, t'as pas perdu, frère. En vrai, la journée, c'était incroyable. Hein. Mais pourquoi il est content? Je lui ai refusé un McDo, lui. Je peux pas en dire plus. Nous, on va vous laisser là. Yacine, est-ce que le défi, on l'a accepté? Défi 100% validé. Du coup, Myriam, elle va devoir se faire la boule à zéro. Je rigole. On peut poser nos pieds ou pas? Là, à partir de maintenant, c'est fini. Vous pouvez poser vos pieds par terre. Il fait la boule à zéro. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes et proposer vos prochains défis pour les prochaines 24 heures. Les Rey, on vous laisse là. Là, je rejoins à la play. Pourquoi pas un 24 heures vivre dans l'aquarium avec les deux poissons?